princesse. Tu dois être folle de joie, Twilight. Ah oui, je suis très heureuse. Mais pour être honnête, je me sens aussi un peu nerveuse. Tu es nerveuse? Un peu comme si tu voulais à la fois s'entraîner en criant youpi. Et en même temps, t'enrouler en boule, te cacher dans un petit coin et crier au secours, j'ai peur. On est toutes passées par là, tu sais. Moi, je passe par là presque tous les jours. Tu n'as vraiment aucune raison d'avoir peur, Twilight. Je suis sûre que tout se passera bien. Twilight! Oh, désolée, ma chérie, mais je viens juste de m'apercevoir que tu ne portais pas ta couronne. Je t'en prie, dis-moi que tu ne l'as pas oubliée à Ponyville. Non, elle est dans mon sac. Mais tu sais, ça me gêne encore un peu de la porter. Et je ne me suis pas encore vraiment habituée à ses ailes non plus. Tu es une princesse maintenant, Twilight. Tu l'as méritée. Et laisse-moi te dire que si moi j'avais une couronne comme celle-là, je ne l'enlèverais jamais. Je la garderais même pour dormir. Sa Majesté, la princesse Twilight Sparkle. Twilight, enfin, je ne t'ai plus vue depuis le jour de ton couronnement. Nous avons tellement de choses à nous dire. Mais je crois que ça peut attendre demain. Vous devez être fatiguée après ce long voyage. Allez vite au lit, mes petites. C'est vrai que c'était plutôt fatigant. Allez au lit. Qu'est-ce qui ne va pas, Twilight? J'en sais trop rien, Spike. Je me fais juste du souci, voilà tout. On a confié à la princesse Cadence la gestion de l'Empire de Cristal. Peut-être que Celestia va aussi me confier un royaume maintenant que je suis une princesse. Tu crois? Ce serait fantastique, ça! Non, Spike, bien au contraire. Ce n'est pas parce que maintenant j'ai une couronne et des ailes que je suis capable de diriger un royaume. Oh, mais bien sûr que tu l'es, Twilight. Maintenant, Dodo, tu dois vraiment te reposer. Tu as une longue journée qui t'attend. Oh. Encore ses ailes! Oh! Qu'est-ce qu'elles peuvent être inconfortables dans un lit? My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. My little pony, puis avec moi vous l'avez.
agir ainsi. Princesse. C'était qui ça? Sunset Shimmer, l'une de mes anciennes élèves. Elle a commencé à étudier avec moi un peu avant Twilight. Mais comme elle n'obtenait pas assez vite ce qu'elle voulait, elle est devenue cruelle et malhonnête. J'ai essayé de l'aider, mais elle a finalement décidé d'abandonner ses études et de suivre son propre chemin. Un chemin qui l'a conduite à voler ta couronne, hélas. Elle a remplacé la couronne de Twilight par celle-ci. J'imagine que Sunset Shimmer s'est dit que tu ne t'apercevrais pas tout de suite de l'échange, et qu'au moment où ce serait le cas, il serait trop tard pour retrouver ta couronne et l'élément d'équilibre. Mais je n'y comprends rien. Où a-t-elle bien pu aller? Où a-t-elle emmené ma couronne? Bientôt, Twilight, tu connaîtras cet endroit mieux que moi. Ce n'est pas un miroir ordinaire. C'est un portail qui mène à un autre monde. Il ne s'ouvre qu'une seule fois, toutes les 30 lunes. Qu'est-ce que ça brille? Il a toujours été conservé dans la salle du trône du château de Canterlot. Mais lorsque la princesse Cadence a commencé à régner, nous l'avons emmené ici pour qu'elle le surveille. Oh, j'ai toujours espéré que Sunset Shimmer l'utiliserait pour revenir un jour et redevenir mon élève au royaume d'Equestria. Mais visiblement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Twilight, tu dois utiliser ce miroir pour pénétrer dans cet autre monde et retrouver ta couronne. Sans elle, les autres éléments d'équilibre n'ont aucun pouvoir et Equestria est privée de son plus important moyen de défense. Ta couronne n'a pas sa place dans cet endroit que Sunset Shimmer considère comme chez elle. De plus, entre ses mains, Twilight, ton élément d'équilibre sera sans aucun doute utilisé pour nuire aux habitants de cet autre royaume. Et ils n'auront aucun moyen de se défendre. Est-ce que tu comprends l'importance de ta mission? Oui, bien sûr. C'est bien. Dans ce cas, pars immédiatement. Avec elle. Pas vrai, les filles? Oh, je me sens tellement nerveuse. Pinkie Pie, tu sais que c'est pas un vrai mot, ça? J'ai bien peur de ne pas pouvoir vous laisser partir. Quoi? Pourquoi pas? Vous envoyer toute là-bas pourrait perturber l'équilibre de cet autre monde et créer un chaos qui empêcherait Twilight de reprendre sa couronne à Sunset Shimmer. C'est une mission que la princesse Twilight doit accomplir seule. Et le temps est essentiel. Le troisième jour, lorsque la lune atteindra le zénith, le portail se refermera. Et il s'écoulera ensuite 30 lunes avant que tu ne puisses l'utiliser à nouveau pour revenir. On est avec toi, Twilight! On pense à toi, je te courage! Twilight? Oh? Spike? Mais tu ne pouvais pas... Spike! Tu t'es transformé en chien? Je crois, oui. Mais toi, par contre, je ne sais pas du tout ce que tu es. C'est un peu toi, mais très différent. Ton museau est devenu tout petit. Mon museau? Tu ne vas pas encore te mettre à crier? Mais où sommes-nous? Je n'en sais rien, mais il s'agit sûrement du portail qui mène à Equestria. Il faut retrouver ma couronne aussi vite que possible et retourner là-bas. Je propose qu'on commence par fouiller ce château. D'accord, allons-y. Je ne crois pas que ce soit comme ça qu'on se déplace sous ta nouvelle forme. Fais
très envie de Spike. Je n'ai pas envie de rester comme ça plus longtemps qu'il ne faut. Ben, on voit le bon côté des choses. Tu n'as plus aucun souci à te faire pour tes ailes. Ma magie, j'ai perdu mes pouvoirs. C'est logique. Je crois que t'as perdu ta corne. Quoi? Bon, il faut vraiment qu'on trouve un miroir. À ton avis, qu'est-ce que c'est? Encore des objets qu'elle a volés à Equestria? Mais qu'est-ce que je suis? Ça va? Je crois que nous sommes pas dans un château. Jamais je n'ai connu un lieu si sobre. Tout est sans dessus dessous. Ce monde est complètement fou. Je tiens sur mes pieds et mes mains sont libérées. Mais j'ai peu de temps avec eux pour apprendre tout ce que je peux. Personne ne s'envole ici. Ce monde est sans magie. Je n'adore pas tous ces vêtements, ces jambes fines, ce nez charmant. Dans ce monde inconnu, tout est si troublant. Mais si j'ajuste mon point de vue, tout ça n'est plus si effrayant. Je venais de la trouver et j'ai pensé que je devais la lui donner. Je ne savais pas que c'était toi qui l'avais laissée tomber. Eh bien, c'était moi. Et j'allais la récupérer, mais tu es arrivée et tu as tout gâché. Pourquoi tu ramasses des trucs qui ne t'appartiennent pas? Mais elle ne t'appartient pas vraiment non plus. Quoi? Tu peux répéter. J'ai rien dit. C'est bien ce que je pensais. Elle est à moi maintenant, compris? Tu es vraiment pathétique. Ce n'est pas étonnant que tes seuls amis soient des animaux. Comment oses-tu lui parler comme ça? Qu'est-ce que tu viens de dire? Attends, je vais répéter. Comment oses-tu lui parler comme tu viens de le faire? J'imagine que tu es nouvelle ici. Je peux parler à tout le monde de la façon dont je veux, compris? Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Je ne pouvais pas rester sans rien faire. Mais c'est juste que personne n'a jamais osé résister à Sunset Shimmer. Sunset Shimmer? Quoi? Tu la connais? En quelque sorte. Pourtant, je ne t'avais encore jamais vue ici. Tu es nouvelle au lycée de Canterlot? Est-ce que tu viens d'une autre école? Oui, une autre école. Je m'appelle Twilight. Et moi, Fluttershy. Pardon, qu'est-ce que tu as dit? Je suis Fluttershy. J'ai l'impression que tu viens de dire Fluttershy, mais comment est-ce possible? Oh, ça alors! Bonjour, toi! Tu sais que tu es mignon tout blanc! Il s'appelle Spike, c'est mon chien! Oh, il est vraiment adorable! Tiens, vas-y, régale-toi, mon joli! Oh, on donnerait n'importe quoi pour savoir ce qu'il est en train de penser, n'est-ce pas? Eh bien, en général, il me le dit. Comment ça, il te le dit? Non, rien. Laisse tomber. Sunset Shimmer disait que tu avais ramassé quelque chose qui lui appartenait. Ce n'était pas une couronne par hasard. Mais comment le sais-tu? Oh, j'ai juste deviné. Tu l'as toujours? Mm-mm. Mais tu sais où elle est passée? Mm-mm.
Ce matin, je distribuais des prospectus pour le refuge des animaux comme tous les mercredis. Nous manquons de volontaires pour le refuge de Canterlotte. Personne ne veut aider un animal innocent et sans défense. Aïe! Je ne sais pas du tout comment elle est arrivée là. Mais je ne voulais pas qu'il lui arrive quoi que ce soit, alors j'ai décidé de la donner à la proviseur Celestia. Tu as bien dit la proviseur Celestia? C'est elle qui dirige ici? Oui, oui, on pourrait dire ça. Le lycée est géré par la proviseur Celestia et la proviseur adjoint Luna. Où est-elle pour le moment? Sûrement dans son bureau. C'est la troisième porte à gauche. Merci! Oh, attends! Il est interdit d'emmener des animaux dans l'enceinte de l'école. Tu devrais peut-être le cacher dans ton sac à dos. Moi, c'est ce que je fais. Ils se sentent tellement seuls quand je passe toute la journée à l'école. Ah, d'accord. Merci, Fluttershy. Oh non, je vais être en retard au cours. Entrez. Que puis-je faire pour t'aider? Je m'appelle Twilight Sparkle, je suis nouvelle ici et j'ai entendu dire que Fluttershy avait trouvé une couronne ce matin et vous l'avez donnée. En effet, j'ai demandé à Luna, la proviseure adjointe, de la mettre en sécurité. Je me demande d'où cette couronne a bien pu tomber. Tu veux te présenter aux élections de la princesse du bal de l'automne de cette année? Non, pas vraiment. La vérité, c'est que... Vous voyez, en fait, cette couronne est la princesse du bal de l'automne? Oui, le grand bal d'automne du lycée de Canterlotte. Un peu comme le gala du grand galop? Le gala du grand galop? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'était un grand événement dans mon ancienne école. Et il y avait une princesse? Oui, mais on ne la choisissait pas parmi les élèves. Ici, au lycée de Canterlotte, les élèves choisissent l'une des leurs pour les représenter. Elle reçoit sa couronne lors du bal de l'automne. Vous m'avez demandé si je voulais me présenter aux élections. Est-ce que tout le monde peut le faire? Oui, tu dois simplement faire savoir au président du comité organisateur que tu veux être candidate. Tu as une autre question? Non, ce sera tout. Eh bien, si tu as besoin de quoi que ce soit, ma porte est toujours ouverte. Twilight, pourquoi tu ne lui as pas demandé de te rendre la couronne? Elle est à toi. Ah, oh, j'allais le lui dire. Mais tu imagines si c'était l'un d'entre eux qui venait à Equestria en disant qu'il venait d'un monde où habitent des créatures à deux pattes et au museau court? On penserait qu'il est complètement fou. Tu n'as pas tout à fait tort. Non, si je veux récupérer ma couronne, je dois devenir la princesse du bal de l'automne du lycée de Canterlotte. Et c'est ce que je compte faire, Spike. Et je peux savoir comment tu comptes t'y prendre pour y parvenir? J'en ai pas la moindre idée. Je sais qu'on se connaît à peine, mais je me demandais si tu pourrais m'aider pour quelque chose. Avec plaisir. J'ai décidé de me présenter aux élections de la princesse du bal de l'automne. Oh non! Désolée, c'est que concourir pour le titre de la princesse du bal de l'automne est une très mauvaise idée. Pourquoi? Sunset Shimmer veut ce titre de princesse du bal. Et quand elle veut quelque chose, elle l'obtient toujours. Quitte à rendre la vie impossible à celle qui se met en travers de son chemin. Demande aux filles qui ont été candidates au titre de princesse pour le bal du printemps. Il faut que j'essaie. Oh, je crois que tu ne comprends pas. Tu vas devoir convaincre tout le monde ici de voter pour toi et pas pour elle. Les sportifs, les accros de la mode, les amateurs de théâtre, les fous d'écologie, les petits génies de l'informatique, les rockers. Pourquoi tous les poneys... Pourquoi tous les élèves sont séparés comme ça? C'était peut-être différent dans ton ancienne école, mais ici au lycée, chacun reste dans son clan et dans son coin. Mais ils ont quand même une seule chose en commun. Ils savent que Sunset Shimmer fera la loi dans l'école jusqu'à ce qu'elle ait terminé le lycée. Pas si je peux l'en empêcher. Alors, où puis-je trouver le président du comité organisateur? Fluttershy a dit qu'elle serait sûrement ici. Attention, c'est moi! Thank you.
T'es voyante ou quoi? Non. Enfin, je ne crois pas. À moins bien sûr que tout le monde ne le soit ici. Non, c'est pas le cas. Fluttershy m'a dit que c'est ici que je trouverai la présidente du comité organisateur du bal. Fluttershy, hein? Je te donne un bon conseil, méfie-toi d'elle. Elle peut être très méchante quand elle veut. Je croyais que vous étiez amies. Tu t'y prends un peu tard pour poser ta candidature. Le bal d'automne a lieu après-demain. Oui, mais je suis nouvelle. Oh! Je me disais aussi que je t'avais jamais vue. Quoique, maintenant que je t'observe de plus près... Tu n'aurais pas une sœur jumelle en ville avec un petit chien nommé Spike qui ressemble au tien? Oh! Peut-être. C'est ce que je pensais. Bah, peu importe. Remplis ce formulaire et tu seras officiellement candidate au titre de princesse du bal de l'automne. Alors toi, on peut dire que tu écris vraiment mal. On dirait que tu n'as jamais tenu un stylo. C'est vrai? Quelqu'un a commandé une douzaine de caisses de jus de pomme pétillant? Moi! Oui, moi! Tu peux amener les autres? Ouais. Hé, je te connais, toi. C'est vrai? Bien sûr. T'es la nouvelle qui a donné une bonne leçon à Sunset Shimmer ce matin. Elle s'appelle Twilight Sparkle et elle va s'opposer à Sunset Shimmer pour le titre de princesse du bal. Réfléchis-y à deux fois. Oh, elle va sûrement venir près de toi avec un grand sourire. J'attends avec tellement d'impatience cette compétition amicale. Quelle chance que tu sois candidate. Mais compte sur elle pour te poignarder dans le dos. Et à part Sunset Shimmer, la seule fille à qui on ne puisse pas faire confiance, c'est Rainbow Dash. Rainbow Dash? C'est la capitaine de toutes les équipes du lycée de Canterlot. Et elle est aussi championne pour dire qu'elle va faire quelque chose pour vous, puis vous tourner le dos sans même penser à s'excuser. Merci pour tes conseils, Applejack. Mais je dois absolument me présenter aux élections. Ha! À toi de voir. Hé! Comment as-tu su que je m'appelais Applejack? J'ai... Tu ne me l'as pas dit? Non. Eh bien, j'ai été très heureuse de vous rencontrer. On se reverra sûrement très bientôt. Cette fille essaye de nous cacher quelque chose, mais moi, je l'ai déjà percée à jour. Elle est voyante. Ah, bon, si tu le dis. Cette déco est minable. Il faut plus de serpentins près de la scène et moins de ballons. Ouais, des serpentins. Et un ballon en moins. Du jus de pomme pétillant. Ne me dis pas que tu comptes servir ça pour mon couronnement. Eh bien, je te signale que pour une fois, le bal de l'automne ne sera pas nécessairement la fête de ton couronnement. Oh! Non, c'est sérieux? Décidément, vous n'êtes pas très malins, vous, les gens de la campagne. C'est sûrement pour ça que les autres élèves disent tellement de mal de vous. Je me demande bien pourquoi ce ne serait pas la fête de mon couronnement. Il n'y a pas d'autres candidates. Ça vient de changer. La nouvelle vient de s'inscrire. Quoi? Oui, je sais. Son écriture est épouvantable. Où peut-on trouver cette Twilight Sparkle? Je suis impatiente de rencontrer ma concurrente. C'est un nouveau magasin fantastique. C'est vraiment incroyable que je ne t'ai pas reconnue tout à l'heure. J'aurais dû me douter que la princesse Celestia enverrait son élève préféré pour me prendre ma couronne. Avec son petit toutou, bien sûr. Attends, c'est ma couronne! Peu importe. Ce n'est qu'un détail insignifiant pour moi. Tu ne connais absolument pas cet endroit, alors que moi, j'en suis déjà la reine. Alors je peux savoir pourquoi tu as besoin de ma couronne? Et pourquoi tu t'es donné tant de mal pour la remplacer par celle du lycée? Bonne question. Que se passe-t-il quand on emmène un élément d'équilibre dans un autre monde? Ne me dis pas que tu n'en sais rien! C'est sérieux? Ah! Et tu es censée être la meilleure élève, la star de la princesse Celestia. Mais bien sûr, elle n'avait aucune chance de trouver un poney aussi brillant que moi à prendre sous son aile après que j'ai décidé de quitter Equestria. Plutôt gênant de constater que tu étais la meilleure candidate possible. Oh, tu ferais mieux de surveiller ton capot. Ce serait vraiment de
dommage que vous soyez séparés, tu ne crois pas? Est-ce que c'est une menace? Oh, mais bien sûr que non! Mais tout de même, je bavarderais un peu moins si j'étais toi. Tu n'as pas envie que tout le monde apprenne que vous n'avez rien à faire ici, n'est-ce pas? Tu veux devenir la princesse du lycée? Pitié! Tu ne sais même pas ce que s'intégrer veut dire. Je veux que vous suiviez cette fille. Apportez-moi quelque chose que je puisse utiliser contre elle, comme la dernière fois qu'on a osé s'opposer à moi. Oui, à tes ordres, Sunset Steamer. Quand la couronne et ses pouvoirs seront à moi, Twilight Sparkle la regrettera amèrement d'avoir posé le sabot dans ce monde, même si elle n'aurait pas été beaucoup plus en sécurité à Equestria. Oui, à Equestria. Qu'est-ce que vous faites encore là? Vous devez filer! Caramel. Voilà. Sunset Shimmer a raison. Je ne connais absolument pas cet endroit. Si je veux vraiment m'intégrer et gagner des voix, il faut qu'on fasse des recherches. Des recherches? Mais oui, nous sommes dans une école. Il doit forcément y avoir une bibliothèque. Tu as ton portable? Et toi, le tien? Alors, il suffit que je pousse sur ces petites lettres pour que les mots et les images qui bougent viennent s'afficher ici? C'est bien ça! Il y a quand même un peu de magie ici, après tout! Oh, les filles, mais qu'est-ce que vous faites? On regardait juste combien de personnes avaient vu notre dernier clip. Alors tous les trois Non, ce n'est... Non, les ordinateurs de l'école sont réservés uniquement aux recherches. Ce n'est peut-être pas plus mal. Certains commentaires sur notre chanson étaient vraiment méchants. Bide complet. Jamais vu un truc aussi marrant. Ah ouais, ils n'avaient jamais vu un truc aussi marrant. Je ne pense pas que c'est comme ça qu'il faut comprendre. Ses portes dans 5 minutes. J'ai même pas réfléchi à l'endroit où nous allions dormir cette nuit. T'inquiète, j'y ai pensé. C'est un peu poussiéreux, mais je suis presque sûre que personne ne vient ici la nuit. C'est parfait, Spike. Alors, comment vont tes recherches? J'ai trouvé ce livre. On l'appelle un livre de l'année. On dirait que c'est une sorte d'album où on recense tout ce qui s'est passé dans l'école. Regarde, là c'est Pinkie Pie, Rainbow Dash, Applejack, Fluttershy, et je parie que cette fille sur la droite, c'est Rarity. Il y a une Rarity ici? Je veux dire, c'est une photo intéressante. Oui, très intéressante, parce qu'elle ressemble à nos amis.
Bien sûr qu'elles ressemblent à nos amies, mais ça, on le savait déjà, pas vrai? Non, ce que je veux dire, c'est que... elles ont l'air d'avoir de l'amitié les unes pour les autres. Mais on dirait que ce n'est plus le cas, maintenant. Plus tellement. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que Sunset Shimmer y est pour quelque chose. Oui, ce serait bien son genre. Mais elle voulait ta couronne parce qu'elle a des projets encore plus diaboliques. Et si tu veux l'arrêter, tu dois absolument te faire des amis ici. Sans te soucier de savoir pourquoi leur amitié s'est détériorée. Même si elle... même si elle te rappelle tes amis de Poneyville. Tu as raison, Spike. Ah, n'oublions pas notre objectif. Bonjour, chers élèves, et joyeux jeudi. Surtout, n'oubliez pas de remplir vos bulletins de vote pour la princesse du bal de l'automne. Vous devez les rendre avant l'ouverture du bal, alors n'oubliez pas de les compléter pour faire entendre votre voix. Fluttershy a dit que je devais me faire apprécier de tous les groupes d'élèves si je veux être élue princesse du bal de l'automne. Alors j'ai fait une liste de sujets de conversation. Tu as fait une liste? Non, sans blague, tu m'étonnes. Je t'en prie, continue. Je vais commencer par me présenter, en plaçant dans la conversation quelques petites choses que j'ai apprises sur leur monde. Ça leur montrera que je suis bien intégrée. Allez, Spike, c'est le moment de faire bonne impression sur les autres élèves. C'est le sort de leur monde qui en dépend. Et regardez. Pourquoi tout le monde me regarde en rigolant? Qu'est-ce que tu... Pourquoi tu... Rarity? Excellent. Plus personne ne te reconnaîtra. Pourquoi personne ne devrait... Il me faut un déguisement pour ton chien. C'est vraiment dommage d'ailleurs. Il est tellement adorable. En me donnant un peu de mal, je crois que je pourrais le faire ressembler à un lapin. Un lapin? Ah, tu es là, Twilight. Mon déguisement n'est pas au point. Tu sais que je t'ai cherché partout. Moi aussi. Moi aussi. J'adore ton nouveau look. Oui, je ne suis pas trop mauvaise pour ce genre de choses. Mais ça t'est égal, bien sûr. Quoi? Pourquoi tu crois que ça lui est égal? Non, ça va, laisse tomber. Pourquoi vous me cherchiez partout? Qu'est-ce qui se passe? Oh, elle ne l'a pas encore vu. Vu quoi? Oh, dans le fond, ce n'est pas si grave. Twilight Sparkle veut devenir votre princesse du bal de l'automne. Mais que pensera-t-on de notre école? Si nous faisons à quelqu'un comme elle un pareil honneur. Oh, ouais, je retire ce que j'ai dit. C'est vraiment grave. Mais tout ça s'est passé hier, à la bibliothèque. Est-ce que tous les élèves du lycée l'ont vu? C'est pour ça qu'ils me regardaient en rigolant. Oh non, qu'est-ce que je vais faire? Plus personne ne votera pour moi après avoir vu ça. Je sais que ça ne fera aucune différence, mais moi, je voterai pour toi. C'était tellement gentil à toi de me défendre contre Sunset Shimmer hier matin. Tu es très courageuse. Si tu veux toujours te présenter, je pourrais peut-être faire quelque chose pour t'aider. Tu veux un conseil? N'accepte surtout pas son aide. Elle ne fait jamais rien sérieusement. Oh, pourquoi es-tu toujours si méchante avec moi? Hop, hop. Ne joue pas les innocentes, Pinkie Pie. Tu ne vaux certainement pas mieux qu'elle. Et je peux savoir ce que ça veut dire, Rarity? Moi aussi, je serais ravie d'offrir mon aide à quelqu'un capable d'apprécier ce que j'ai à offrir. Voilà tout. Qu'est-ce que tu veux? Et voilà, elle recommence. Vous ne pourriez pas oublier tout ça? Ah oui, comme toi, tu as oublié ce qui t'est arrivé avec Rainbow Dash? Elle m'a promis que son équipe de foot viendrait à ma vente de pâtisserie. J'ai dit à tout le monde que l'équipe serait là et aucune d'entre elles n'est venue. Elle m'a fait passer pour une menteuse. C'est différent. Non, pas du tout. Oh que si. Mais bien sûr, c'est la menteuse. Arrêtez avec tout ça. Je vous le jure, taisez-vous toutes. Je veux vous montrer quelque chose. Vous étiez amies autrefois. La fête des débutantes. Vous vous souvenez? Oui. Mais il s'est passé quelque chose, et je crois que ce quelque chose, c'est Sunset Shimmer. C'est une théorie intéressante, ma chérie, mais Sunset Shimmer n'a rien à voir là-dedans. Elle a raison.
Ce n'est pas Sunset qui a gâché ma vente aux enchères silencieuses pour le refuge des animaux en apportant des pétards et des feux d'artifice. C'était censé être un événement sérieux et cette méchante Pinkie Pie a tout gâché. Mais attends un peu, de quoi tu parles? Tu m'as envoyé un texto disant que la vente était annulée et que tu voulais faire une grande fête à la place. Hein? Mais je ne t'ai jamais envoyé de texto. Comment ça? Ce n'est pas elle non plus qui m'a envoyé tous ces mails, j'imagine. Chaque fois que je me porte volontaire pour faire la déco d'une fête de l'école, Pinkie Pie me répond par mail qu'elle a déjà tous les volontaires qu'il lui faut. Et ensuite, je découvre qu'elle a tout fait toute seule. Mais je ne t'ai jamais envoyé de mail. Peut-être que c'est à cause d'elle que Rainbow Dash n'est pas venue à ma vente de pâtisserie. Est-ce que tu as demandé à Rainbow Dash pourquoi elle n'était pas venue? Non, j'ai refusé de lui adresser la parole après cette histoire. Je pense que tu devrais arranger ça sans tarder. Ça y est, elles se reparlent. C'est plutôt bon signe. De toi, tu m'as dit de pas venir. Non, tu m'as même envoyé un texto. Quoi? Mais alors, ça veut dire que t'es toujours ma meilleure amie. Un câlin. Oh, j'adore les câlins. C'est clair, quelqu'un, et je crois que nous savons toutes de qui il s'agit, a dit à Rainbow Dash que ma vente de pâtisserie avait été reportée. Rainbow Dash est venue plus tard avec toute son équipe et a cru que j'avais annulé sans la prévenir. Alors tu veux détrôner Sunset Shimmer et devenir princesse du bal de l'automne, hein? Pour ne rien te cacher, je donnerais n'importe quoi pour voir ça. Et je suis prête à t'aider. Mais avant de faire quoi que ce soit, je veux que tu me battes dans un match de foot. Ça te va? Quoi? Pour gagner, il faut marquer 5 fois. 1-0. J'ai vraiment cru que tu allais peut-être finir par marquer un but. Alors, c'est quoi le plan? Comment je peux t'aider à devenir princesse à la place de Sunset? Mais j'ai... perdu. Bien sûr que tu as perdu, je suis imbattable. Mais je voulais être sûre que celle que j'allais aider n'était pas n'importe qui. La princesse du bal de l'automne doit avoir du courage et de la détermination. Tu as prouvé que tu avais les deux. Est-ce que je peux avoir un peu d'avoine dans le mien? De l'avoine? J'ai rien dit, faites-le comme d'habitude, ce sera très bien. Il faut vraiment qu'on arrête de se bousculer comme ça. Tu me connais. Il faut se méfier quand je suis dans le coin, ça éclabousse. Parce que ma boisson vous a éclaboussé. Le sol et toi. Il faut que j'aille par là maintenant. Oh non, non, n'y pense même pas. Tu essaies déjà de lui prendre sa couronne. Qui sait ce que fera Sunset Shimmer si elle apprend que tu essaies de lui voler son ex-petite amie? Mais je n'essaie rien du tout, je ne le connais même pas, on s'est juste bousculé. Ex-petite amie? Flash Sentry lui a dit il y a quelques semaines qu'il ne voulait plus sortir avec elle. C'est curieux d'ailleurs, elle aurait déjà dû le lui faire payer très cher. Elle attend peut-être d'avoir le pouvoir de lui faire quelque chose de vraiment terrible. Écoutez les filles, le bal c'est demain soir et on ne sait toujours pas comment faire obtenir à Twilight les voix dont elle a besoin. Jusqu'à présent, les élèves ne la connaissent que par les vidéos que Sunset Shimmer a postées. Il faut absolument qu'ils la regardent d'un autre œil. J'ai trouvé! Je veux dire, j'ai peut-être une solution.
C'est sans doute une idée ridiculement prétentieuse, mais... Et si demain nous portions tout ceci en signe d'unité? Tout le monde les a adorés au bal des débutantes. C'était une façon de montrer l'esprit de l'école, du genre « Allez les Wonderfalls de Canterlot !» On ne les a pas portés depuis des lustres. Je veux dire, c'est que nous sommes peut-être très différentes toutes les cinq, mais nous sommes toutes des Wonderfalls de Canterlot. Sensei Chimer nous avait divisés. Twilight Sparkle nous a réunis. Et nous allons faire en sorte que tout le monde le sache. On est d'accord? Je me demande ce qui l'a fait sourire. C'est Twilight qui sera la princesse du bal de l'automne. Proviseur adjoint Luna, il vient de se passer une chose horrible. C'est épouvantable.
épouvantable, n'est-ce pas? Quand je pense que Pinkie Pie avait tellement travaillé pour que la déco soit parfaite, c'est affreux. Pourquoi Twilight Sparkle a-t-elle fait une chose pareille? Mais qu'est-ce qui te fait penser que c'est Twilight Sparkle qui a fait ça? Oh, mais j'en ai la preuve! Mais je ne comprends pas. C'est pourtant toi qu'on voit sur ces photos, n'est-ce pas? Oui, mais... Bon, et tu dois bien te douter que l'école ne peut absolument pas laisser quelqu'un capable de faire ça se présenter aux élections du bal de l'automne. Proviseur adjoint Luna, j'ai trouvé ça dans une poubelle de la bibliothèque. Je crois que vous devriez regarder. Quelqu'un a fait un montage de ces deux photos pour faire croire que c'est Twilight Sparkle qui a tout démoli. Je te remercie de m'avoir apporté ces photos, Flash. À la lumière de ces nouvelles preuves, je t'autorise bien sûr à te présenter aux élections de la princesse du bal de l'automne. Oh, merci! Tu ne peux pas t'imaginer à quel point c'est important pour moi! Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Ne pas prouver ton innocence? Ça n'aurait pas été digne d'un Wonder Call de Canterlot. Malheureusement, les dégâts sont considérables. J'ai bien peur que nous devions reporter le bal de l'automne à demain soir. Excusez-moi, mais je dois informer ma sœur de ce qui vient de se passer. Dis donc, je me disais que si tu n'as encore personne pour t'accompagner, tu pourrais peut-être venir avec moi au bal demain soir. Oh, ce serait... demain soir ! Non, je ne peux pas, le portail, il sera trop tard. Un simple nom aurait suffi. Tout va bien, Twilight? Oui. Sauf que tout va très mal. C'est même une catastrophe. Si je n'ai pas ma couronne ce soir, je ne pourrai pas rentrer au royaume d'Equestria avant 30 lunes. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Leur dire la vérité. Leur expliquer ce qui se passera si tu n'as pas la couronne ce soir. Elles t'aideront à trouver une solution. Et si elles ne le font pas? Si elles découvrent à quel point je suis différente, peut-être que... Twilight, c'est ce que tu as dans le cœur qui a rallié tes amis à ta cause. Elles ne cesseront pas de t'aimer lorsqu'elles découvriront que tu es une princesse à Equestria. Je suis heureuse que tu m'aies suivie, Spike. Moi aussi. Sauf si on doit rester coincé ici pendant 30 lunes, bien sûr. Est-ce que ça va? Le bal de l'automne n'aura pas lieu ce soir. Il a été reporté parce que Sunset Shimmer a ordonné à Snips et Snails de détruire la décoration de Pinkie Pie. Mais le bal de l'automne doit avoir lieu ce soir. Écoutez. Tu viens d'un autre monde où tu es une princesse poney et ta couronne est ornée d'un élément d'équilibre magique qui donne leur pouvoir à d'autres éléments. Ils ne fonctionnent pas sans le tien et tu dois le récupérer pour protéger ton monde. Et si tu n'as pas ta couronne ce soir, tu seras coincée dans notre monde et tu ne pourras pas repartir avant très 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 longtemps. Ouais, c'est ça. Je suis pratiquement sûre qu'il y a une autre raison. Non, elle a dit la pure vérité. Il peut parler? Oh que oui! Et dans le monde d'où je viens, je ne suis même pas un chien. Je suis un féroce dragon cracheur de feu! C'est tellement incroyable! Dis-moi à quoi tu penses, là, tout de suite! J'aimerais qu'on me gratouille derrière les oreilles. Plus tard peut-être? Comment as-tu deviné tout ça? Une intuition! Et attends une minute, je vais récapituler. Tu es un poney? Tu es une princesse! Et tu viens d'un autre monde? Ça, c'est... fantastique! Tu vois, je te l'avais dit. C'est affreux. Je n'arrive pas à croire qu'ils aient fait une chose pareille. Si seulement j'avais une espèce de canon à fête qui pourrait tout redécorer en un instant! Je sais que ça paraît impossible, mais peut-être que si on s'y mettait toutes ensemble... Voilà exactement le genre de détermination que j'attends d'une princesse du bal de l'automne. Allez les filles, au travail! Et c'est parti! Ça marche! Ça galope! Oui! Il est grand temps de s'unir enfin. C'est la seule façon de changer l'avenir. Il est temps de se prendre en main. Alors viens, on va se
J'ai une bonne nouvelle pour vous. Le bal de l'automne aura bien lieu ce soir. Alors je vous conseille d'aller tous vous préparer. Et n'oubliez pas de déposer vos bulletins de vote pour l'élection de la princesse du bal. J'ai voté pour toi, Twilight. Moi aussi. Moi aussi. J'ai voté pour Twilight. Moi aussi. Vous avez de la chance qu'elle ait réussi à tout arranger. La prochaine fois que je vous demande de tout démolir, je vous conseille de vous retenir un peu. J'ai autant besoin qu'elle que ce bal de l'automne ait lieu ce soir. On a réussi. Je n'arrive toujours pas à y croire. Moi, j'y crois. On est fantastique. Assez bavardé, les filles. Il faut qu'on se prépare. Ce soir, nous devons être merveilleux. C'est notre soirée. Twilight! Écoute, je sais que t'as refusé de m'accompagner au bal, mais on pourrait au moins danser ensemble, une seule fois? Mais je n'ai pas dit non. Enfin si, je l'ai dit, mais ce n'est pas à toi que j'ai dit non, Flash. J'étais... Ce que je veux dire, c'est que... Oui, j'aimerais beaucoup danser avec toi. Non. Merci. Elle a peut-être trop honte pour se montrer. Elle doit bien se douter que tu vas être élue. Oui, peut-être. Tout d'abord, je voudrais vous dire à quel point je trouve la décoration magnifique. Vous avez vraiment fait un travail incroyable après le désastre qui s'est produit au cours de la journée. Et maintenant, passons aux choses sérieuses. Ouais. Vous allez enfin savoir qui a remporté la couronne du bal de l'automne. La princesse du bal de l'automne de cette année est... Oh là là, quel suspense, j'en peux plus! Twilight Sparkle! Félicitations, Twilight! Twilight, au secours! Spike?
Ils ont kidnappé Spike. Ne lui faites pas de mal! Oh, mais ce n'est pas mon intention! Je ne suis pas un monstre, Twilight! Lâchez-le! Tu n'as rien à faire ici. Donne-moi la couronne et tu pourras rentrer à Equestria ce soir. Mais si tu la gardes, tu n'y retourneras jamais! Tic-tac, Twilight! Nous n'avons pas toute la nuit. Le portail va se refermer dans moins d'une heure. Alors, quelle est ta réponse? Non! Quoi? Le royaume d'Equestria! Tes amis, tu veux les perdre à jamais? Tu ne vois pas ce que je suis sur le point de faire au portail? Si! Mais j'ai vu aussi ce que tu étais capable de faire ici sans magie! Equestria trouvera un moyen de survivre sans mon élément d'équilibre! Mais ce lycée n'y arrivera peut-être pas s'il tombe entre tes mains! Tu peux y aller! Détruis le portail, mais je ne te donnerai pas cette couronne! Très bien! Tu as gagné! Oh, tu es absolument fantastique! J'arrive pas à croire que tu étais prête à faire ça pour nous! Pas étonnant que tu sois une vraie princesse! Oh oui, elle est tellement, tellement extraordinaire! Spike! Spike! Fluttershy! Enfin! Plus de puissance que je n'ai jamais pu l'imaginer! Revenir sur le passé. C'est moi qui suis votre princesse maintenant. Quant à vous, vous êtes devenus mes loyaux sujets. Quand j'ai dit tout à l'heure que j'allais détruire le portail, c'était du bluff. Ça m'est bien égal de régner sur ce petit lycée minable. C'est Equestria que je veux. Et avec l'aide de ma chère petite armée d'élèves, j'en serai bientôt la nouvelle souveraine.
Je veux savoir ce que tu comptes faire pour m'en empêcher. J'ai la puissance, j'ai la magie, et toi, tu n'as plus rien du tout. Si, elle a ses amis. Oh, c'est incroyable. Toute l'équipe est réunie comme c'est émouvant. Maintenant, écartez-vous. Cette pauvre Twilight essaye depuis bien trop longtemps de me mettre des bâtons dans les roues. Cette fois, j'ai décidé de m'occuper d'elle. Quoi? La magie contenue dans mon élément a réussi à s'unir à ceux qui ont contribué à la créer. Tu ne régneras jamais sur Equestria. Et tu as perdu le pouvoir que tu avais dans ce monde. Ce soir, tout le monde a pu voir qui tu étais vraiment. Tu leur as montré ce qu'il y avait dans ton cœur. Je suis désolée. Je vous demande pardon. Je ne savais pas qu'il existait d'autres moyens. La magie de l'amitié n'existe pas seulement à Equestria. Elle se trouve partout. Tu peux la découvrir. Ou tu peux rester seule à jamais. À toi de choisir. Mais... depuis que je suis arrivée ici, j'ai monté les gens les uns contre les autres. Je ne sais même pas ce que c'est que l'amitié. Je crois qu'elles pourront te l'apprendre. Ouais, bravo les filles. Wouhou! Je rêve où ce chien a parlé. Wow, bizarre. Non, c'est sérieux. Tu trouves que le plus bizarre dans cette histoire, c'est un chien qui parle? Moi, en tout cas, je trouve que tu es adorable. Oh oui. Je pense que ceci t'appartient. Dans tous les mondes, une véritable princesse ne règne pas en forçant les autres à s'incliner devant elle, mais en leur donnant l'envie de se ranger à ses côtés. Et nous avons tous pu nous rendre compte que tu en étais capable. J'espère que tu le sais aussi, princesse Twilight. Je le sais. Ouais! Je crois que c'est le moment ou jamais de t'inviter à danser. Qu'est-ce que t'en penses? C'est notre soirée.
auprès d'elle, n'est-ce pas? Bien sûr, fais-nous confiance. Mais j'espère qu'elle s'excusera pour le désastre du printemps dernier. J'ai l'impression qu'elle va devoir passer beaucoup de temps à s'excuser. Il faut qu'on parte. Je sais que nous ne sommes amis que depuis peu de temps, mais vous allez toutes tellement me manquer. Cette couronne vous va à ravir, princesse Twilight. Tu sais quoi, Spike? Je commence à me sentir un peu plus à l'aise quand je la porte. Et les ailes? J'ai marché sur deux jambes et manipulé des objets avec ça. Les ailes? Je serais ravie de n'avoir à me soucier que d'elles à Equestria. Shimmer, comment va-t-elle? Je crois que tout ira bien pour elle. Je l'ai laissée entre de bonnes mains. C'est quoi des mains? Où es-tu logée? Comment sont leurs vêtements? Est-ce que tu t'es amusée? Qu'est-ce que tu as mangé? À ton avis, elle est aussi fantastique que moi. J'ai tellement envie de tout vous raconter. Mais je suis épuisée, j'ai tellement dansé. Danser? Il faut vraiment qu'on arrête de se bousculer comme ça. Mais qui est-ce? Un nouveau membre des gardes du château. Flash Sentry, je crois. Pourquoi? Est-ce que tu le connais? Pas exactement. Je crois que quelqu'un vient de craquer pour le petit nouveau. Non, absolument pas. Mais c'est vrai, elle est folle de lui. Ne dis pas de bêtises, je ne le connais même pas. C'est juste qu'il te rappelle un garçon que tu as rencontré dans l'autre monde, qui jouait de la guitare, faisait partie d'un groupe et a prouvé que tu n'avais pas détruit la déco de la salle de bal, ce qui vous a permis à toi de devenir princesse et à lui de t'inviter lors du bal en question. Pas vrai? Comment tu as deviné? Une intuition. Je te le dis, tu es mon ami pour la vie. Oh,
mon ami pour la vie.